nous 15, est-ce que nous fait? Mais nous toutes nous nos spéculations. Il y a des recensements qui fait yo daté 2003. Et selon la science, selon organisation, selon Nations Unies, c'est chaque 5 ans ou bien chaque 10 ans nous devons faire recensement en d'un pays. Et c'est ça qui fait, il y a des pays dans le monde là qui est capable de planifier, capable de faire projection. Mais c'est ça qui fait nous-mêmes, nous avons la précarité que nous avons. C'est ça qui fait nous-mêmes, nous avons l'obéi que nous avons. Nous avons dit 12 millions, 12 millions, 12 millions. Mais chaque jour, nous avons grené petit monde. Chaque jour, nous avons grené petit. Et chaque jour, nous avons fait en d'un pays. Nous n'avons pas qu'un ministère population. Nous n'avons pas qu'un secrétaire d'État population qui a produit nos rapports. C'est ça qui fait, discours nous yo. Yo chita sous tapage, yo chita sous dénoncer moun. Yo chita sous dénoncer moun. OK, nous chita sous dénoncer moun, un tel se volé, un tel ceci, un tel cela. C'est ça. Non pas monsieur Jean Ismaël opéré dans le département l'Ouest là, yo sorti dans région Grand Sud pays. Lazare Temistock, bonsoir, merci parce que avec nous nous allons faire parler dans l'émission pour la parole à soi. Bonsoir Lazare. Bonsoir Valestin, il faut qu'on dise qu'on a payé très très bref dans la mesure où actuellement le département de Niplan liste. Oui, grand pile l'appli qui a tombé dans le département de Niplan. Et le moment ça, nous dans la rue, nous dans la rue là, c'est rentré, nous pour aller rentrer la canne et puis nous juste rester un petit temps pour faire parler. Oui, merci parce que vous êtes disponible pour nous parce que là, on a parlé de Niplan, Niplan l'a dit ça, l'a dit ya, puisque nous reconnaissons longtemps. Moi-même avec vous. Et c'est ma rentrée direct. Et c'est camper Chalon pour nous-mêmes. Qui ça Chalon te représenté pour mon Grand Sud dans l'année 2017, 2018, 2019? Yo. En fait, nous capable dire Chalon, c'est une localité qui s'allon. Chalon, c'est non. Qui est attribué à première section communale de Miragouane. Mm-hmm. Première section communale de Miragouane, non, qui collait avec centre-ville là, et li gagne frontière de, c'est lui-même qui limitrophe avec le département de l'Ouest, li collait avec deuxième section, et Belle Rivière, li collait avec quatrième section, quartier Saint-Michel-Denis, et puis li gagne une partie là d'Altou qui collait avec sixième section communale de Miragouane. Ancienne 6e section communale de Miragouane qui connaît à la commune de Payan. Mm-hmm. Payan, c'est Chalon, c'est une localité, Jamzoula, qui est située sur route nationale numéro 2A. Hein. Alors, c'est non qui est attribué à toute première section, hein, mais localité, ça, elle est située à environ 2 à 3 km de centre-ville de Miragouane. Mm-hmm. Et non loin du Carrefour des Ruisseaux, parce que Carrefour des Ruisseaux, lui-même tout, elle est située dans la première section communale Chalon. Hein. Mm-hmm. Mais vraie localité Chalon, hein, lui-même, nous capables de dire, elle commençait. L'offre qui était mode mon signac ou j'en ai une localité qui est le Dupac. Après ça c'est Grand Chalon où vient joindre et puis Kounia où vient de Savano est Carrefour des Ruisseaux. Chalon c'est une localité nous capable dit en pile côté dans pays a une localité côté que c'est des monde qui vraiment qui c'est mon qui revendicatif en pile et depuis Chalon commence à faire parler de lui c'est dans moment et bien sacré l'organisation populaire la Valas, OP la Valas. Mm-hmm. Parce que Chalon te gagne là-dedans, yon OP, organisation populaire qui te relève les affaires de main. Mm-hmm. Les affaires de main, ça, c'est lui-même qui te compte toujours charrier revendication en pile moun dans zone ça, parce que Chalon, c'est une localité qui te gagne en pile problème, pas de gain courant, te connu un problème d'eau potable. C'est toute de frustration, ça, yon qui te vient faire moun yon, qu'on a levé campé de temps en temps, et yon te vient gagner une notoriété dans sa qui relève, depuis une mobilisation, li fait dans la ville là, li passe au petit Chalon, li connu une difficulté des fois pour le prendre. Et puis, ça venit à augmenter puissance et une série de et gros militants qui étaient connus dans la zone ça. Mm-hmm.
Et c'est ça tout, où tu comptes toujours tendre, depuis qu'il y a des groupes de manifestations pacifiques, qu'il y a des manifestations qui a fait dans la ville de Miragouane, qui te connaît en pile problème dans le temps, le ça n'a pas parlé d'un moment que démarche t'a fait pour mettre des départements NIP, pour rentrer les NIP dans les Girondins de la République, puisqu'on connaît NIP, là, c'était en zone enclavée, il était dépendant du département de la Grandance, mais pas de jamais y a qu'un projet dans la Grandance qui te connaît, prend en compte les besoins du département des NIP. C'est ça qui était fait en pile monde dans le département, dans Miragouane et en Savo et autres communes du département. Ils ont même été prêts à l'initiative, forcer l'État à créer une nouvelle collectivité territoriale qui c'était le département des Niplan. Et le gouvernement Lavalas, là, lui-même, il était fait ça à cheval de bataille. Et avec Jocelyn Privert, lui-même, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, il était fini par faire projet ça à passer. Et dans Péripétie, Miragouane était fini par remporter le boulot, côté que Miragouane lui-même était venu chef lieu département ça. Et tout le ça, c'est en pile des militants dans Chalon, dans des ruisseaux, tout côté, tout le monde t'a joué partition paillot qui te permet de pression exercée sur l'État, et l'État, dans le moment ça, il était satisfait à la revendication. Mais j'en connais les 11 zones et vin réputé pour des moun yo pas manger un fret, moun qui campé garder autorité danger, qui dit tout ça ou vle, et ou connaît de temps en temps vin gen des imperfections, gen de moun qui vin rentrer dans mouvement peut-être tout qui régler affaire pa yo. C'est ça qui fait après nous capable dit après pouvoir la balance là, le pouvoir tête qualité vin Chalon t'est toujours vin kembe même mobilisation ça parce que dans Miragouane l'on parle avec un nègre, du moins, c'est un nègre chalonnier. Ça veut dire un paquet de bagages, comme si son nègre qui est dangereux, qui n'est pas pémoun, qui est capable de foncer le bagage. Mais, dans l'année où il dit, le mouvement est venu continuer. Parce que, il y a deux initiatives que l'autorité comprend. Et surtout, le besoin fait moun sortir dans la rue, il faut que c'est Chalon. Chalon est venu positionnel, ils ont campé en position de force parce que l'ité connaît ces barons et c'est là où ils. Mais après, et ils ont gagné de qui on dirait dit de mouvement comme ces mouvements ont été penchés. Chaque monde a fait quelque direction parce que mon époque Chalon t'a gagné de monde là-dedans qui t'a connu by autorité policière dans Miragouane en pile fil à retard. Par exemple, on connaît Gonleur et dans zone Pont Ravine Sable toujours dans la localité Chalon, t'a gagné un bandit. Et c'est ça au Tirel, il y a un bandit qui t'a tiré un policier grand journal, il prend amni et puis ça t'a vite mettre policier Miragouane dans un gros problème parce que au patrivé capable de mettre la main sous et Peterson ainsi connu, c'est pour ça monsieur Tirel. Et puis après t'a venu en pilote incident qui devine arriver dans zone Chalon côté que et zone là mais mettez sous l'autre bandit qui t'est convenu vienne faire quartier général dans zone ça, il t'est venu faire n'a presque tourné aux zones de nos droits. Ça qui était contre un pile problème à commerçants dans le Grand Sud là, parce que zone ça lui-même, il était gagné l'heure, machine pas qu'à passer, machine marchandise y a saisi, y a fait un pile exaction dans route là. Ça qui était une ternie image zone non. Mais et la situation était sous dégénérée, et bien c'est dans le moment ça. Commissaire Jean-Ernest Muscadet lui-même, il était venu joindre poste là dans le département des Nîmes. Il était arrivé dans le département des Nîmes. Premier côté, il était focalisé, il était posé quartier général lycée sous Chalon et il était posé en pile action. Peut-être des fois qu'il connaît, dans un premier temps, il connaît faire remous, actualité, hein, mais et commissaire Muscadet lui-même, il était mettait tout l'ordre dans des zones. Et Chalon lui-même, depuis un moment ça, Chalon vini en zone qui douce tant qu'on si haut, pas de monde qui plein de problèmes dans zone ça encore. Et puis, toute situation, il était retourné à la norme. Ok. Alors, moi-même, je n'aime pas avec le département, même moi, fais région, souvent les pays étaient bon. Et c'est situé Chalon pour nous-mêmes. Qui ka fou lié? Est-ce que ce ka fou qui mène dans le sud-est? Est-ce que ce ka fou qui mène dans le sud-pays? Est-ce que l'imène dans grand dans pays? Et c'est situé Chalon pour nous-mêmes. Si pas de présence Jean-Ernest Muscadet, qui sa Chalon tape devenir département sud, département sud-est et département grand dans ça tape devenir?
Bon, et m'te dit dès le début, moi t'ai dit ça que Chalon lui-même, li c'est une localité qui est incontournable compte tenu de enclavement pays mm-hmm. parce qu'on connaît si on a sorti Port-au-Prince pour y rentrer et pour y aller dans Grand Sud, de l'embaler de Grand Sud excepté une bon parti dans sud-est là parce que la commune des Côtes de Fer mais mon parti dans Bénin mm-hmm. et c'est par Miragouane mon yo obligé passer pour y rentrer là avec beaucoup plus de facilité. Mm-hmm. Et les sacs parlons du Grand Sud parce que le Grand Sud c'est le sud-est, les Nîmes, la Grand'Anse et le sud. Et pour passer, pour sortir Port-au-Prince, pour rentrer dans le sud, pour aller dans Grand'Anse, inévitablement obligé de passer par Chalon. Et dans l'autre partie sud-est, obligé de passer par Chalon. Dans le moment, d'un pile bandit, pardon, t'es fait poser quartier, t'es venu poser quartier général dans la zone Chalon, parce que, il faut que nous clair, et majorité dans le monde, ça, c'est pas des originaires de Chalon, que vous voyez. Mais c'est des mondes tout qui connaissent vini, qui connaissent vini prendre zone, non, compte tenu du temps des que ça qu'on a passé dans zone nan et puis on vient poser des actions isolées de temps à autre dans zone nan et puis mais c'est Chalon dans la localité à lui-même qui devait payer le pot cassé n'importe ça passé tout le monde dit c'est Chalon mm-hmm. et c'est ça que me dire Chalon c'est un carrefour inévitable il y a un monde qui va aller dans Grand'Anse il y a un monde qui va aller dans sud avec une partie dans sud-est pays a lui obligé passer par Chalon c'est-à-dire si il y a un problème dans la localité Chalon bandi vient prendre zone nan en otage bandi campé il y a poser mauvais actes dans zone nan, c'est que il y a une répercussion sur toute l'autre département sud et Grand'Anse et puis on partit dans sud-est j'en me dit. On pense qu'on est dit en pile la tomber est-ce que Chalon li mené ou la Gonave? Non, la Gonave c'est autre chose. Non, par exemple, parce que on partit dans Miragouane qui bon accès à la Gonave pour ta raquette. Non, c'est le centre-ville, c'est centre-ville Miragouane. Mm-hmm. C'est centre-ville Miragouane, c'est-à-dire si on sorti Port-au-Prince et ou fin qui te tigou à vous traverser les temps du Miragouane, notre bicafou de ruisseaux, mm-hmm. et sous la main droite, ou après rentrer dans centre-ville Miragouane. Mm-hmm. Centre-ville Miragouane, ou pour bâtiment ou à la Gonave, ou descendre ou aller en Savo, ou aller petit trou de Nîmes, ou aller ou cap à tout, ou aller balader Arnaud, la ville tout, Payan. C'est-à-dire, zone ça yo, si on moun pal, pral là, il n'est pas obligé de passer par, il n'y a pas de possibilité pour le passer par Chalon. Mais, si on moun pral l'asile, moun n'a pral baradère, et il n'y a pas de passer dans les nids profonds, il est obligé de passer par Chalon pour lui rentrer, passer Vieux-Bourg pour le rentrer l'asile, pour le passer Cavaillon pour le rentrer baradère. Et, faut ou passer Chalon pour passer Cafou-Moussillac pour rentrer dans Fond-des-Blancs, il y a une partie dans une commune département sud, pour rentrer à les Côtes de Fer sud-est, pour aller dans Bénin sud-est. Et puis, c'est même route ça, tout, on est obligé de passer Chalon sur la route nationale numéro 2 pour atteindre le sud et la grande. Merci en pile, Laza. Devle fait si pour ça. Merci en pile. C'est mon devoir. Merci. Merci. Voilà, on a parlé avec Laza Temistok, qui c'est journaliste. Journaliste. Et je dis que nous avons James Jean-Louis Tour dans département NIPI. Je dis que nous avons parlé avec Natacha Jean-Jacques. Je dis que nous avons parlé tout avec Anne Myriam Loiseau. Je dis que nous avons parlé avec yo. Je dis que nous avons parlé avec Eddy Leblanc. Eddy Leblanc, donc m'bav les jalousies faites. Ben te vle parler avec un journaliste qui présent dans le département ni PIA qui comprend la réalité. Ou aimerait rentrer vif dans le sujet ça? Non raison. Moi rentrer vif dans le sujet ça, c'est parce que nous avons un pays qui crase dans le nous. Pays a dépatcha, pays a pas existé encore. Entre parenthèses, il y a des gens qui disent qu'ils défendent les droits de l'homme. Je pense que je dis à nous tous, nous avons mis les mains dans la patte là. Nous perdons Artibonite, c'est parce que pas gain. Nous perdons Artibonite. Nous perdons un bon parti dans l'Ouest là, c'est parce que nous avons commis ce gouvernement qui n'a pas existé pour souffler. Commissaire gouvernement quoi des bouquets dans période là il pas existé qui fait perdre cabaret il fait perdre akaye justement parce que pas existé nous perdu Artibonite parce que commissaire gouvernement Roy Artibonite il pas existé il pas fait travail de poursuite yo parce que travail de poursuite là et pas toutes les nous avons un homme dans prison. Et pas tout le monde en prison.
Comprenez? Il y a des émergumènes, c'est faut un côté spécial ou mettez. Pas tout l'air comme si l'État pour aller dépenser l'argent pour un monde, l'État pour aller bailler moun manger ou tant de moun dans la prison, la plein dit, il pas jeune manger, en bout de même organisation qui défend droit moun, dit bon moun ça pas jeune manger. C'est normal. Yo dit c'est organisation qui défend droit moun. Les médias brûlé li, moun nan la il pas jeune manger, qu'on a l'État goumé pour moun qui dans faire mon côté. Pour une raison pour l'autre. C'est vrai parfois qu'on dit qu'on a des innocents. Mais quand même, il y a des gens dans la société qui ont un côté spécial qui réserve pour les gens. Un côté spécial qui réserve pour les gens. Le patron de RNDDH, RNDDH dans les années 2004, qui était NCHR, NCHR qui était NCHR en 2004 qui pral vin RNDDH après sanction instance New York là parce que estimé NCHR Haïti a gon route li t'a pran pa gen rien t'a défendre droit moun li de là-dedans et ça pral voye nou relé RNDDH. Te konèk nan RNDDH dèman pil. Si te rele Viles Aliza. Ti bien formé. Et puis, peut-être li pagè même temps pis à Mama Yolène Jules. Ou bien, pa konè. Viles Aliza rete comme si pagè moun ki tande pale de li an dan peyi a. Li pa kreye organisation kap defann dwa moun pal. Mais Viles Aliza rete fon silence. Total. Un silence de cimetière. En dans RNDDH, mais son nègre dérime en pile. Si, comme correspondant des presses dans le Nord, les Viles Aliza, Marie-Olène Gilles, parce que je n'ai pas jamais eu de chance de croiser avec Pierre Espérance, calmer une enquête. Bon, je ne sais pas si il n'y a pas de qualité, il n'y a pas de qualification, mais je toujours. D'ailleurs, Marie-Olène Gilles, c'est journaliste. Et c'est sérieux, ça fait, il est toujours présent dans le Nord, qui a produit rapport. Il est sali, ça, fait des formations. Parce que, même, plus qu'on entend des pierres, comme si, il mettait le devant, pour la petite parole, là. Et depuis quelque temps, après, NDDH pas produit rapport sous mon encore vraiment, ou après, c'est des attaques personnelles qui comptent sacrer les droits humains. Bon homme qui est Jean-Ernest Muscadet. Je ne sais pas côté le sorti dans le sud pays. Mais Jean-Ernest Muscadet dit mon maman, ben, coup de main. Il nous soutient de Lazare de Mistoc là. Il décide ben, coup de main. Et Chalon, c'est ton cafou. Gon juge m'a parlé avec elle. Il dit Valestin, si m'a tendé 100 bandits, n'en fonctionne comme juge. 99 sortis dans le grand sud pays. Et c'est pas vraiment celle qui dit. Mais les gens qui sont dans la région, ils disent. Mais à chaque fois que Pierre Espérance prend une intervention, il parle de Jean-Ernest Muscadet. Mais quelque part, si on est qu'à une fixation sur lui comme ça, si on est qu'à une fixation sur lui comme ça, mon travail la fait dans la société. Mon Miragouane, mon dans la région sud, nous devons être fiers de Jean-Ernest Muscadet. Mais maintenant, et ça comme je vous savez, maintenant, je suis Pierre Espérance qui a défendu droit moun. Lydie, ça veut dire, ouais, méchant a toujours fait mal qui tourne contre lui. Pierre Espérance dit, Muscadet, c'est. On est captié innocent. Mais Pierre Espérance dit la police doit tuer tout bandit. Pierre Espérance dit matin sous Caraïbes la police doit tuer tout bandit. Mais c'est pas ça la mission de la police. Mais mon ou les bandits a li bénéficier sacré la présomption d'innocence.
mounoure les bandits, les juifs de sacrer les présomptions d'innocence. Parce que la police capable à l'opération, même genre la police a mené l'opération Bel Air, peut-être on a une communication glissée dans la police là. Yo plutôt annoncé moun ki policier blessé, yo pas parler des moun ki victime yo. Mais la police la font bel bec oui. Nan belè. Hein? Là la police a une opération. Nan opération, gen affrontement, c'est coup de zam qui pral tirer. A vle di, ap gen moun kap tombe. Mais si la police la gen moyen pour le maîtriser, li doit maîtriser bien espérance. Ou ap défendre do amoun. Mouche, nous dou ça plusieurs fois nan boukante la parole. Ce soir ou di bonjour di a m'ap fè politique, m'ap dénoncé. Mais sacre le do amoun nan ou pas sa côté. Parce que ou pa ka ou défenseur do amoun pou ap di pou yo touye moun, même ça ou di ou ap refreshe biskader, bon c'est lui ou di pou la police fè, mais la police pa gen mission ça. La police pa gen mission ça. Oui, si la police nationale d'Haïti allons opération en dans opération ap gen affrontement comme ap gen affrontement ap gen policier ka tombe, il y a peut-être des soldats capable tomber mais bandi ap tombe là yo tombe dans opération. On parle comme si depuis la police ke mon bandi fol fusil mais pays a envie qu'on ait qui ça problème nan eh? Ou gen même discours ou gen même comportement nous gen même comportement oui. Mais peut-être nous gagnons même comportement quasi ou miscadé ou réalité bandi à même façon hein? Ou avec miscadé nous réalité bandi à même genre on connaît pas faut qu'on gagne bail dans tête ou envie pour le capoter ou qu'on gagne un message ou envie fait passer ou pas faire passer ou tellement gon fixation de miscadé ou tellement gagne peut-être des monde des boss qui dit miscadé sont mauvais monde on garde réalité là. On garde réalité. Hein? On garde réalité. Comme si ou pas faire ça. D'ailleurs où sont nèg qui te doit font type oui Pierre. Où c'est une sanction. Parler de sanction en Haïti. Peut-être nous pas me faire rappel yo. Et c'est peut-être ça qui dérange dans métier. Moi rappelle me te suivre information avec Clarence Renoir. J'ai un journaliste qui te posé la question d'information et dit mais chaque jour journaliste a dénoncé mais il dit rappel là qui important c'est rappel là qui toujours dérangé. Mais Pierre Espérance, où sont sanctionnés ce domaine? A dit, ou pas en ordre de sainteté, non pour parler de sanctionnés en Haïti. Ou sont sanctionnés de ce domaine? Donc, c'est domaine sanctionné ou? D'ailleurs, ce pays a pourquoi j'aime connaître pour ça, c'est domaine sanctionné ou? Même j'aime pourquoi connaître, pays a pourquoi j'aime connaître pour ça, c'est domaine sanctionné tout le monde. Mais, mini justice l'a dit, ou écrit 4 pays qui sanctionné moun yo, yo pas écarté ce domaine, non? A dit, l'on a vu une balle de sanctions. On dit, on va parler des sanctions. Yo remonte yo dit, ah, attendez nos pieds. Ou ces amis tel nèg nous sanctionné. Canada sanctionné. Tes amis tel nèg Royaume-Uni sanctionné. Ou ces amis tel monde, États-Unis sanctionné. Ça veut dire, vont-ils poser? Parler des sanctions, Haïti, vont-ils poser? Quitte Marie-Hélène, alors quitte Marie, Rosie, Auguste du Sénat pour tes messages là, Pierre, mon cher. Mais, attendez, Pierre, je pas besoin qu'on ait relation Pierre avec l'autre monde, yo. Mais entendez Pierre parler de tout le monde des fonds. Entendez Pierre parler de l'argent où tu fais Herman Nelson remettre. M'a pas intention m'a défendre Herman Nelson là. Mais Pierre Marie-Hélène Gilles dénonce sur Radio Signal FM 1,5 million goud. 1,5 million goud l'argent BM pas dans griffou, dans main ou. Écoutez. Attendez. Herman Nelson ici hein pour remettre comme là. Là problème non. Moi même qu'à parler, vous quand là pas regarder ça parce que on sacré pied à l'aise gros dans le pays là. Tout nèg ici, quel dans secteur privé, quel dans politique, quel dans média, yo tout dans confié là avec Pierre. Depuis que moun yo pas parler ouais, c'est Pierre qui a battre les bouyo. Et ça fait les Pierre parler avec yo, il parler avec un niveau d'arrogance. Il pas aucun respect pour yo. Même Abdou Pierre nous gagne amis en commun moi même avant. Nous gagne amis en commun. Ça qui est prison là-dedans, oui.
Nous pas connu dans la période Covid, Pierre Gonnèg yo relé Uko toujours à défendre, toujours à défendre, mais son nèg qui toujours chercher chèque pour lui en dehors les noms. Pas qu'un monde qui respecte tête yo ben on chèque en nom institution, il accepte changer le oui. Il connaît gain prison là-dedans. Il connaît gain prison là-dedans. Qui différence? Elle m'a mangé 1 600 000 combien mille goud ou manger 1 500 000 goud BM pas de NDDH. Yo dit payer ce chèque à l'autre de NDDH. Ou changer l'année de l'institution. Ou pas déposer l'eau. Après, il faut déposer chèque ça pour faire 3 jours. Oui. Et puis, on peut mettre un chèque pour faire transaction pour changer l'eau. Mais faut pas faire pays ça comme si on va une passer Pierre gain anti aura gain des moun qui ne parle avec là dans international là nous tout peuple Pierre n'a garder Pierre manger qu'a crase société qu'a détruire une société. Faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Non, on est qui sanctionné par Saint-Domingue, il change chèque en battable. On est qui demande pour la police touyer tout bandit. On sait pas ça la mission de la police. Puis toujours, depuis il monte dans la radio, il est toujours en face Jean-Ernest Miskaden. Bon, c'est même Jean, il y a des gens qui continuent à écarter dans la société. Puis après, il y a des gens qui ont décidé de parler avant vous. Décidez pas la veille. On ne va pas faire ça. Comme si, comme nous avons dit, nous sommes bodi, nous sommes gros volés. Un ancien parlementaire m'a pas la veille. Il dit, moi, je vais rester, je vais voler. Il dit, ça va passer. Il dit, non, stade volé, je vais quitter le déhé. Mais c'est mafia. Il dit, je suis mafia. Il dit, je suis mafia. Il dit, je suis Berlusconi haïtien. Il dit stade volé, il dit volé c'est bas niveau, c'est high level, il se mafia qui lié. Pas faire ça. Nous pas faire ça. Mes amis, m'a dit nous ça. Ça n'est là dans men nou. Ça n'est dans men nou là le besoin de Miskaden là-dedans. Et tout monde qui pas vle qui pas rien comportement Miskaden dans Nibla. Fais-moi confiance. Il y a la même catégorie à moun qui a théorisé la population. Il y a la même catégorie avec Iso. Il y a la même catégorie avec l'amour sans jour. Il y a la même catégorie avec éviter l'homme. Il y a la même catégorie avec tout chef gang qui existe dans le pays. Tout le monde nous est pareil, mais Miskaden. Le bon monde n'a pas les mal, Miskaden, mais qu'on est, il n'y a pas un bon monde. Il n'y a pas un bon monde. Alors pensez ou pas ou pas remettre Yves Rozou cap haïtien? Ou ka gen ti problème avec Yves Rozou te mande nou service, li pa rann nou service là? Et puis fois, al gade ki problème moun yo ga moun yo. Al gade ki problème moun yo ga moun yo. Chile Louido en 2009. NDDH Pierre Espérance sou na les sous Kiskea jusqu'on y a n'a pri article là. Pierre Espérance dit Chile lui doit évoluer au l'argent dans DCPJ. Hein? Mais pour combattre Jovenel Moïse, nous quoi? Yo pral fait corps ensemble. Yo pral blier. Yo pral blier. Yo pral blier. Yo pral blier tout rapport. Nèg ici pour yo jouer un job. Yo blier tout ça moun fait yo. Et justement, d'après Pierre Espérance Soukoun. Parce que nous avons toute activité avec elle. Je ne vais pas parler d'un monde qui couche à un monde. Mais où est le problème? Même si Gérald Gilles Patrou a passé ça, même par contre, nous avons parlé de l'IA, mais son femme à garçon. Courant qui a traversé l'autre, il couche à l'autre. Mais. Il va pas me dire cause tout non, il va pas me parler non. Parce que connaît Pierre gain dossier yo. Yo connaît Pierre gain dossier yo.
Yo connaît Pierre Espérance gen dossier. Donc on pas gon intention comme si pour me vinn là, pour me vinn dit ça Pierre fait. Alors ça Muscat d'affaires son beau barre. Non, c'est pas ça l'idée. Mais nous contexte extrêmement difficile. Peut-être nous par contre ça n'a vivant dans pays là. Même gen chance rencontrer avec des autorités qui crier. Et c'est pas l'âme, c'est pas de l'eau et pas plume générale non qui veut crier, parce que situation pays est grave, parce que situation pays est grave. Mais justement pendant m'a parlé depuis l'expérience de Muscadin là, mais me tendez le fond point qui est important matin dans grand boulevard, me tendez le fond point qui est important. Non pays normal, on pas de parler de conseil électoral pour visuel là non. Si nous avons une vision de Haïti, si nous avons une vision de Haïti, mais parler de l'élection là, c'est 10 pipi tchal qu'on dit Lambert. Hein? Et comme nous ne voulons pas parler, nous ne voulons pas parler. Parce que nous toujours croire que les gens ici, c'est bois long. Mais je dis que nous avons une bagaille moi-même personnellement. Je dis la soeur dans le bouquet de la parole. Gapilan nous parle à faux blanc. Nous présenter pays à faux blanc. Mais si je devais faire jolie, je devais faire jolie. Comme pas quoi dans ça, nous croyons bataille là, c'est là nous devons faire pour nous sauver Haïti. Bataille là, c'est là nous devons faire pour nous sauver Haïti. Entre nous devons faire. Et tout ça qu'a fait là, messieurs, dames, la société, m'a dit nous avons une bagaille. Tout ça qu'a fait là, pas gagné Haïti là-dedans. C'est des nègres qui voulaient garder Procio. C'est des nègres, peut-être Gérald Gilles débat, puis on garantit. Il dit qu'il a mis madame tel nègre pour lui dans l'ONA, parce qu'il n'a pas de complot. Comme barre, elle n'a pas facile pour Gérald Gilles, j'en peux le monde dépenser là. Et puis, tout l'aime. Allez, moi-même, Valestin, comme si, même si nous avons dit là, qu'on est un gars qui me volait dans la radio. A qui te m'a traité de voler de chat. J'aime bonnet m'a chavir. Bonnet m'a chavir. C'est ça que fait moi-même. M'garde un petit comportement modeste dans le pays. Très humble. M'jouen une patate m'a manger. M'jouen une lame m'a manger. M'jouen une manioc m'a manger. M'jouen une zabouka. Dans le pays, y'a pas m'jouen une zabouka en pile. Reprenne. M'jouen une zahom branli. Dans la vie, pas jamais à courir derrière trop bagay. Et toujours aimé dire, on est qui levé dans catholique, moi-même, baptisé, communié, renouvelé, confirmé. L'on levé là, il y a des bagages où vivre. Mon côté bon Dieu, prends mes ondes. Il dit Valestin, il dit un tel, chita là. Chaque jour levé, il faut dire bon Dieu merci. Et c'est l'une des raisons pour faire mon bagage, j'aimerais savoir en Haïti. C'est une bagarre qui de fait moun pa dou jamais rancer avec ou. C'est ça que me dit tout moun ça. De pou presser ou met aller. M'a tan nou nan kafoua. Pa jamais quitter moun comme si fait blaga avec ou, relou, ti au cap, ti go naïf non, pa quitter moun fait ça avec ou. Moi dis nous encore gen côté bon Dieu chose avec ou. Ou doit chaque jour lever ou dit bon Dieu merci. M'a dit nous sans quoi soyez dans bouquet la parole pas j'aime raï moun dans la vie toujours est bien pour moun moi là ma vol là dans bouquet la parole mais moun connaît qui barim moun connaît parler ouais moi mais Valestin gon capacité oui même moun ça yo ba là mais yo mande la parole moi ba yo mais les nèg ici a saccagé ou yo saccagé ou. Bon, aime quoi avec nous espace récemment, il va laisser ça passer. Mon chef félicitations m'a fait. Bah, on dans des noms dans un qui sale en Haïti. Hein? Il dit bah, on dans des noms un qui sale. Mais vive, choisis une équipe pour qu'elle fonctionne avec elle, ou qu'à miser sous lui. Ou qu'à miser sous lui faire route là elle. Mais cette question rampée. Mais toujours voulez faire ouais.
Nous toujours voulons ou l'opil, non opilance. Hein? Toujours même pour ça. Mais rien de personnel avec RNDDA. Dans nos sociétés normales, nous besoin d'organisations qui défendent les droits de l'homme. Nos sociétés normales, nous besoin d'organisations qui défendent les droits de l'homme. Justement, parfois, on peut poser une pile question. Comment pouvoir yoé Muscadet? Qui sont Muscadet? L'élevage encore. Mais nos contextes exceptionnel, Muscadet, gros comportement exceptionnel, bravo. Ok? Le contexte normal là, le contexte normal là, n'a redéfini comportement Muscadet. N'a pas pour nous redéfinir comportement Muscadet. Et c'est ça pour nous faire comme bataille. On fait ça comme bataille. Là, nous, dans le contexte normal là, nous avons redéfini le comportement Muscadet. Et je dis à chaque juridiction. D'ailleurs, je Francis Corine, je ne vais pas parler. Je ne pas Francis Corine parler, non? Parce que je vais là. Parce qu'il peut avoir la même position avec Pierre Espérance, comme quoi ça Muscadet. Pas que quel monde qui dit ça Muscadet a fait, bon. Mais on rentre dans. Un bat pays à. On dit où? Anji. Est-ce que nous vivons? Est-ce que nous comprenons ce qui a passé dans le pays à? Peut-être récemment, nous. Yo arrêté de toi, si mesdames. Et puis. Et puis, il y a des gens qui disent, ah, c'est des belles timoun. Mais qui ça, belles timoun, ça comme alternative? M'baba courage, non? Mais qui ça nous offre comme alternative? Qui ça nous offre belle timoun comme alternative pour yon pas rejoindre chef de gang yo? Hein? Qui ça nous offre comme alternative pour rejoindre chef de gang yo? Chaque matin levé, chaque soir depuis avant d'aller dormir, tout reste, tout espace nous joindre, c'est attaquer yon l'autre pour que ça n'a pas attaqué pour job. Et pour job n'a pas attaqué yon. Et pour nous bien vivre. Combien acteurs politiques qui ont droits humains? Quel nan politique, quel nan économie, qui j'aime dit en font colloque, en font grand débat, en fait le grand déballage pour faciliter moun venir investir en dans pays. Ma thème dans le débat avec Alexis Dion parole. Ma pis se gade sous lui. Mais l'aime gade ça, le et pas de l'argent non. Lorsqu'on jeune femme comme si qui levait le pape fin. Lorsqu'on jeune femme qui levait pas fin, lui obligé à rentrer dans toute activité. Longtemps, tu as un mot sous serviette ou bien mot sous barre nous laver ou bien laver. Mesdames, je ne dis pas ça avec ça. Serviette hygiénique. Mais comment on fait comme ça? Son business qui rentre en pile l'argent. Là, nous disons qu'il y a 12 millions de gens qui vendent dans le pays. Il y a un parmi eux, il y a 52% de femmes. On dit dans 52%, il y a 2% seulement qui peut gagner une règle. 50% sur 50 millions, divisez-le. Multipliez-le et puis divisez-le par 100. Ou avec quantité de monde. Bon, et bon, je retire 2% pour les gens qui mènent opposé. À l'année, les gens qui ne peuvent pas gagner qui ne peuvent pas encore. Mettez 48%. Ou avec quantité de monde qui, chaque mois, qui besoin de contexte. Hein? Moun ki propre là au moins besoin 3 graines cotex par jour. Hein? Li besoin 3 par jour. Qu'on a gardé combien de graines ti boîte la gagne là-dedans. On dirait li di une semaine. Gardé combien la besoin pour une semaine. A des gens bille. Faut le faire zong, faut le payer. Et faut le sortir, faut l'habiller belle. Mais qui ça nous offre? Qui alternative nous offre? Rien. Parce que c'est des bases pour nous faire. T'as vu pendant la semaine, dans temps des guerres, il parle à mettre feuille verte, il parle à ronde qui font bagaille ou cap dans nos desk, qui ont participation. C'est ça nous attendons. Comme si on a vu traiter l'autre de vol dans la radio. Mais on combat, je vous dis, on combat CPT.
m'pa di yon nan nèg yo pa pran l'ajan. M'pa di yon nan nèg yo, m'pa gen intention ça m'vin di bon, yon nan nèg pa gen kòb la nan men yo. M'pa gen ça, c'est pas ça l'intention de Jean-Ismaël Balistère. Et qu'on a gardé machination. Un dossier qui devant en instance. Un dossier qui devant en instance concerné. Bon, vous avez toute cette pression ça. Dès que la vie, il voulait faire on menti passer pour vérité. Il dit ou CARICOM dit formé de l'exordio. Alors que CARICOM va rencontrer avec elle. Toute rencontre CARICOM fait sous Zoom. Mais quand comme bachit avec elle, il y a les médias, il y a là, tout l'autre média brûlé, il a pompé, tout ça il dit la vérité. Mais je dis à m'écrire un gros tête dans CARICOM. Après rencontre petite de Saline, je dis à m'écrire CARICOM. M'écrire un dirigeant CARICOM. Il dit Valestin, parce que pas vous, il va m'écrire. Il dit Valestin, pas une question ça, pourquoi débattre. Sauf que, il a posé interrogation. Andi enquête ULCC a ta révélé messieurs sa yo pas impliqué nan anyen dans l'opinion qui a venu conseil là et yo reconnaître son bataille politique en fait yo reconnaître son bataille politique en fait m'pa la moun tout oui m'gite tout rencontre yo fini parce que c'est petit désaligné rencontre en dernier m'gite tout rencontre yo fini m'écrit CARICOM pour demander CARICOM de quoi il en est, de quoi s'agit-il, des conseillers présidentiels. Vous comprenez? Mais après, dis-nous encore, évitez tout ce entrapable pour ne pas dans trop l'obé avec mon ici. Il y a des débats qui ne font pas mon ici. Je n'ai pas écrit mon ici dans le téléphone. M pas quitter voice pour mon ici dans téléphone si m besoin moun mrelo comme on est et tout ça m'a parlé m ka justifier tout ça m'a parlé mon ici m ka justifier toujours battre pour moun pa gen pied sous cou en Haïti les moun nan gen pied sous cou li fait chantage avec ou li font marcher puis parfois on garde ou vent vie crier nan trop l'obey nou ye. Dans trop démagogie nous y est. On bannèg Pierre Espérance habitué dénoncé qui nan drogue qui nan volé l'argent de CPJ mais en 2012 2013 2004 nous est au même côté à Pierre. En 2020 nous est au même côté. Sous Ariel nous est au même côté. Mais c'est ça. Parce que nèg ici met tête d'une façon on joue n'a fait complot quand même. On joue n'a fait complot. Mais dans toute salle dit yo dans des positions sous CEP, c'est normal. L'âme d'accord avec lui. Mais gon green bagaille li dit, il dit nèg ici. Depuis on blanc yo pas la vel, il hésité. C'est pas trop dimension parce que ça tout. L'el dit blanc, il rétracté parce qu'on est quelque blanc gon pas la vel tout. Il rétracté sous blanc. Parce que tout connaît, yo chaque la gon ti blanc. Yo parle là, yo parle avec blanc même blanc qui a passé mop en Haïti. Yo parle blanc qui a passé mop. OK? Mes amis, n'a pas gain pour nous tourner, n'a pas gain pour nous poser muscade des questions. En 2004 pour jeter Jean-Bertrand Aristide dans bon monde de rentrer dans bataille. Par contre ça Guy Philippe Gablan qui fait yo pas de grâce chez lui mais quand même il t'a vive à l'aise. Il t'a vive à l'aise. Mais il fait 2004 Blanc te dit Guy Philippe pas rentrer porte presse. Ouais, ça va bonne nouvelle. Les Guy Philippe voulait rentrer avec Zam Port-au-Prince, Blandil ou Carreté dans le sud, j'en voulais. Mais pas rentrer Port-au-Prince. Et après Aristide finale, Blandil Guy Philippe ou pas pral dans l'élection. Il était tout pas de candidat. Blandil Guy Philippe ou pas de candidat. Puis Guy Philippe est candidat, ça arrive à l'arrivée. Il fait 6 ans sénateur.
comme blanc c'est intelligent ou pas paraître comme si c'est pour partir dans tête qui fait yot arrêter. Yo fait le fond titan plus que ça, plus que mandat sénateur en prison. Nda remen qui veut venir démentir là. Nda remen venir démentir là. Blanc dit que Philippe ou pas rentrer Port-au-Prince. C'est ça que faut nous, il bat même gain chance pour arriver Port-au-Prince. Mais Chamblain était en prison Gogera, il était grâce à Chamblain. Parce que en 2004, Aristide te paraît le mal pour la société. Mais comme il contribue dans jeter Aristide, et puis Gogera vient la bonne histoire là. Gapil nèg il était gracieux. On avait dit nous contexte extrêmement difficile là. Nous contexte extrêmement difficile. Ou qu'on est qui campé en quoi? Parce que tout nèg qui a fait Zac Port-au-Prince, yo, yo sorti dans grand sud pays en majorité, mais yo tout a remé retourner là quand yo al vivre. À l'aise. D'abord, dis-nous quelque bagaille. Combien moun miskade stoppé. Nous est pas rien vinn plein dans radio. Elle dit Pierre puissance il passé maman ni papa moun sa yo. Persévérance puissance parce que ni papa ni frère ni maman moun sa yo. Mais moun sa yo veut go l'argent ba famille ou fait bien pour yon dehors. Mais qui l'argent moun yo kidnappé. L'argent moun yo tué, l'argent moun yo violé, l'argent moun yo marre ba code. Mais faut société a parler. Mais faut nous parler. Faut nous exprimer nous. Nous pas quitter ton petit poignet moun comme si pon y a met en bagage nous. N'a tout fait. Mais nous toujours voulez c'est dans boucanter la parole pour dans des paroles là. Oui, oui. Mais comme moun qui dans boucanter la parole yo, comme moun qui dans l'autre média yo, sont ben sans famille. Moui là et puis a font bel enterrement mon cher te connait dès après toi m'a oublié et même mon nous continue à mettre couteau mettre épée en bagage nous. Je fais un choix moi-même. Mon choix pour rester là moi en Haïti. Mon l'amour pour Haïti, sincèrement. Mon bel l'amour pour Haïti. Mon l'amour pour Haïti, moi en Haïti. Moi là pas parce que me négligent. Moi là c'est parce que moi m'aime Haïti. Et me voulait croire pour l'âge moins pays est capable boire avec pour l'âge moins pays est capable boire avec pays est capable délivrer avec OK pour l'âge moins pays est capable boire avec pays est capable délivrer avec nous devons garder point ça avec nous question l'argent que des monde l'a parlé de l'argent faut payer Pierre parce qu'on gagne 1,5 million goud BM pas de nan men ou pas ka justifier. NDDH. Grosso modo ça n'est là. C'est parce que Mario l'a quitté. Il a quitté pour un scandale 1,5 million goud. Tu rappelles ça ou tu te fais une expérience? L'on a dit on est gaspillé. On t'y différence 180 000 goud. Mais qui dit vous avez dit parce qu'on fait ou coucher avec 1,5 million gouttes ça fait un petit volet. Lui parce qu'il prend 1,680,000 hein, il fait un gros volet. Bon, bah dit mon volet parce que nous croyons dans le tribunal. OK, mais Jésus son exemple, mais juste répéter ça dit. Michel Martelly mais si c'était pour Jean-Ismaël Vallée, c'était Michel Martelly pas d'abord Jean-Rivé président. On déréglé dans le niveau Michel Martelly qui devient président pays non pays normal. Mais mon guide mettel yo gen dilio avec faire mettel. Bon raison faire mettel. Mais si Martelly est sanctionné par les États-Unis. Mais tu es toi Pierre Espérance, tu es ou sont six ou sont sanctionné tout. Qu'on va dire comme on va passer dans bateau ou ca la pied pour aller Saint-Domingue, Martelly mais je dis gen bateau pour aller États-Unis, gen Mexique. Ou en bon, ou sont sanctionnés tout. A dit ou pas parler de sanctions moun. Ou sont sanctionnés. Ou pas parler de sanctions l'autre moun. Hein? Ou pas parler de sanctions l'autre moun, non? Tade, ou dit la police de touye tout moun. Tout bandit. Mais c'est pas sa mission la police. Son erreur de communication grave. L'autre dit pour la police touye tout bandit. Ou ap défendre droit moun. Ouais Moussa, pas de jambe descend, il pas de jambe sorti dans bouchou. Touyer.
ça la de jambe sorti dans bouchou comme défenseur droit de l'homme. Et les messieurs rappelez-vous, est-ce qu'on parle dans Noé NDDH? Parce que yo gon ou toi fait, yo la bagay droit même ou dit oui, m'a intervenir dans non NDDH. Tout ça me dit yo regarder NDDH. Mais il veut dire NDDH veut dire réseau national défense, réseau national cap défendre droit monde. Comment défenseur doit moun de parler moun pour dit touye moun touye tout moun, comprenez bien, on défenseur doit de l'homme. Mais où c'est où qui doit mettre là, on dit la meilleure chose, on dit la police doit interpeller tout moun qui était les iso qui était les l'homme sans jou et moun ça doit sanctionner par la loi. En Haïti, bien espérance. En fait, si rappelle ça pour vous, comme pour qu'on ou se défenseur droit de l'homme, ça t'est capable d'échapper. En Haïti, pas une peine de mort. A dit, si vous dois combattre là, vous répétez. Ou répétez ou dit, la police doit tuer tout bandit. Non! Même négouer les bandits, dit juge sacré la présomption d'innocence. C'est ça que fait, il y a la justice ou là pour dénoncer. La police l'a ramassé. Ils ont enquêté. La justice ne fait travail là. Et ça va là. Pas un wabdi boudouye. Ou pas un doaza. Ou c'est défenseur droit de l'homme. Consorer les tout. Maron sou ren contre sort du matin. Qui quantité de dégâts ou fait matin? Qui quantité de dégâts ou fait matin? L'on dit la police de tuer tout bandit. Jean-Ismaël Valé s'est passé. L'a passé. Pour une raison X, la passe quoi des bouquets? Parce que m'a passé quoi des bouquets? La police pas posé une question. Parce que m'a présent dans la zone, m'a bandit. Et ça dit oui. Et ça dit oui. En tout cas, m'a très long à souhait. M'a très très long à souhait. Et m'a très long à souhait. Mais parfois, tout m'a voulu. Puis elle mettait dans une situation, elle a créé un événement pour nous parler de lui. Même, elle dit nous, et pas occuper nous. Et pas occuper nous. Nous avons parlé de Muscadet, nous avons mettre Muscadet. Nous avons posé Muscadet une question. Les Haïti tourne dans la normalité. Les Haïti tourne dans la normalité. Vous êtes un pays à bord de la normalité. Titi Muscadet fait route l'affaire. Parce qu'il a un bon coup de main. Muscadet ba un bon coup de main, vraiment un bon coup de main. OK? Muscadet ba un bon coup de main. Et moi c'est important pour Muscadet ba continuer ba petit coup de main là bas là. N'a posé Muscadet question puis devant. Et l'homme te prend, l'homme me recevra. Là ça te mis stock de le décrit situation pour moi-même. Ça veut dire il y a des groupes moun li dérangé. Il y a des groupes qui les dérangent. Ok? Parce que c'est important pour nous faire tirer ça avec nous dans l'émission. Boucanter la parole, c'est extrêmement important pour nous dire ça. Moi-même, j'ai des bails comme si. Je ne vais pas parler de vous parfois. Vous comprenez? Je ne vais pas parler de vous. Mais. Je ne vais pas croire que méchant. Je ne suis pas un méchant. Par rapport à moun qui fait moun déplacer qui te région la caillou. Et je dis à la société qu'on est, pour moun nan nip qu'on est, pour moun nan sud qu'on est, pour moun nan grandance qu'on est, pour moun nan sud des pays qu'on est. Miskade, c'est pas lik Edmin numéro 1 non. Edmi numéro 1 Haïti jodia. Edmi numéro 1 Haïti jodia. C'est tout le monde qui prend pays en otage. Nèg qui gen zam nan men yo. Nèg qui ba ou zam bras financier yo. Et moun kap cautionner dérive yo. Ce sont les numéro 1 d'Haïti. Le principal moun qui numéro 1 qui abandonne qui met Haïti à genoux li là. Qui était politicien, qui était nèg dans commerce,
dans tout domaine qui nourrit nèg sa en munition ou intérêt personnel pa yo. Et nèg sa ki ennemi Haïti. Puis gros ennemi Haïti c'est nèg qui gen zam nan men yo, nèg qui ba aux armes, nèg qui ba aux munitions. Si pas de munitions nèg yo te gaji gon bout de fer nan men yo. Et munitions te dérangé. Et munitions te dérangé. OK? Et munitions te dérangé. Et pas miscadin qui pigou ennemi pays a. Et pas miscadin qui pigou ennemi pays a. Il faut nous apprendre à identifier. Il faut nous apprendre à identifier ennemi nous. Il faut nous apprendre à identifier ennemi nous. Et tout étant pour qu'on soit capable d'identifier vrai ennemi Haïti, nous ne pouvons pas sortir de côté là. Nous avons toujours un Biden. Son doit nous aller aux États-Unis. Tout étant pour qu'on soit capable d'identifier ennemi Haïti, nous avons toujours quoi? Option C, Saint-Domingue. Pour nous travailler dans le bateau et puis nous déporter. Récemment, je regarde une vidéo contre les courriers des Haïtiens. Nous avons toujours là le Mexique. Avec espoir, nous avons un CBP, nous avons traversé les États-Unis. Nous avons toujours voulu quitter le pays. C'est parce qu'il ne peut pas arriver à identifier les vrais ennemis. Nous ne pouvons pas accepter d'identifier les vrais amis. Ok? Fais choix. Ce n'est pas tout le monde qui a courage pour faire ça. Pas tout le monde qui a courage pour faire ça. Ok? Vraiment, ce n'est pas tout le monde qui a courage pour dire parole ça. Moi, je m'assume et je m'assure. Moi, j'assume tout ça, je dis. Et vous, quand tu as la parole, assume tout ça que dit as. Ok? Moi, j'assume tout ça que dit là. Et vous cantez la parole en dossier. Ok? En fond bagaille. Si ce pas quoi, dans ça, mon abdi, mon capté, et on a pas attaqué l'autre, comme si, mais nous pas jamais, problème pays a pas jamais posé vraiment. Là, on est venu poser, attaquer on est dans la radio, en Haïti, ou pensez que Haïti l'a réglé? On a un job lui mandé, il va y aller. Un espace libre de l'union de l'union. Ça fait un nègre ici. Ou pas, j'aime qu'on qui est-ce qu'ils ont mis. Parce qu'ils ont appelé pour faire complot ensemble. À ce moment-là, ils font parler avec Camille Oxyus, de OCNH. Ils font un petit coup pour moi. Pour regarder qui ça doit humain. Qui responsabilité doit humain. Malheureusement, là, moi, les Camille Oxyus. Mba yon kami. Mem devle. Mdevle. Quand tu parles avec kami. Oxys. Mdevle parle avec lui. Mba yon li nan yon téléphone qui est disponible. Mdevle font ti kou pou nou. Mdevle font ti kou pou nou. Tout question doua moun. Tout question doua moun puisque. Son organisation qui prend café route li bon oui là moi je une camioxis heureusement je une camioxis. Bonsoir, merci parce qu'on avec nous dans l'émission pour canter la parole. Bonsoir Valestin, bonsoir tout auditeurs pour la parole. Un plaisir pour moi pour l'invitation à soir. Merci parce que oui pour l'invitation ça on prend le bon temps pour parler m'ta mon fonti pour nous-mêmes dans un boucan la parole sans pas poser aux questions pas une minute ouvler qui ça une organisation cap défendre droit monde qui mission qui rôle li qui quand elle doit arriver quand elle pas arriver m'a combien ton voulez faire pour faire ti exercice ça avec Camille. Bon, c'est un exercice qui va prendre un peu de temps mais c'est pas de moi-même après ça m'incapable et un petit bout de temps pour moi expliquer qui rôle un défenseur des droits humains et puis qui ça gagne pour le faire. Eh ben alors faut que moi dire le plus souvent il y a des monde qui comprennent que un défenseur des droits humains c'est monde seulement qui a parlé dans la radio, c'est monde qui dans organisation qui finit par
droits humains, par exemple, et Paul Gon défense et promotion de droits humains. En tout le monde, parce que c'est comme ça. Mais moi-même, dans la formation que nous toujours fait même pour de monde qui est dans les organisations, ça va dépendre de qui travaille mon affaire. Moi, je toujours dit, un professeur de l'école, c'est un défenseur de droits humains. Un policier, c'est un défenseur de droits humains. Un médecin, c'est un défenseur de droits humains. Ou pas obligé, en dans une organisation qui a une dénomination, une appellation de droits humains, pour considérer comme un défenseur. Si on prend un médecin qui prend le risque pour les capables font césarienne pour un monde qui t'a porté un bébé et lui estimer s'il pas fait ça mon ta mourir si mon ta mourir parce qu'on est monde ça c'est un défenseur des humains et puis qui défend ça le droit à la vie yon policier son gros défenseur des humains donc li pas forcément c'est en tant organisation droits humains pour y qui alors qui gagne appellation droits humains pour considérer comme défenseur droits humains. Ça va dépendre de qui travaille et mon ami on y a fait. Vous se parlez de quel côté on défenseur droits humains et doit rifer. Maintenant, yon défenseur droits humains, li font travail de promotion, li font travail de défense. Pendant ce temps, l'État, li font travail de protection. Comme défenseur des droits humains, ou capable de radiographier situation, hein? Ou capable et faire des propositions. Et c'est pour ça, moi-même, moi, je vous dis, c'est malheureux. En pile défenseur des droits humains qu'on est, et pour montrer qu'il y a fait travail de la monde, faut que nous t'a contact avec l'État. Faut qu'il y a joué l'État toute journée. Moi, je vous dis, c'est pas une meilleure démarche là, ça. Parce que comme organisation de droits humains, il faut gagner un couloir de communication entre l'État et les organisations de droits humains. Pour qui ça? Lorsque vous faites un rapport, dans le rapport là, vous faites des recommandations. Mais vous n'êtes pas obligé seulement de répéter soit vous dans les réseaux sociaux, ou bien vous allez faire un livre, vous allez faire un commentaire sur deux ou trois pages, et puis ça arrive là. En matière de plaidoyer, l'important, pour ne pas dire plus que important, acteur concerné, pour chita par la velle, pour dire écoutez, mais ça, moi, ou là, mais qui travaille moins fait, et ou même qui sont au café. Et c'est pour ça que je toujours dit, et en quelque sorte, défenseur des droits humains, organisation des droits humains, ils fait un travail, ou même comme un travail de consultation pour l'État. Parce que c'est eux-mêmes qui l'a pour faire radiographie situation hein, et faire des propositions. Et c'est pour ça que je toujours dit, couloir de communication qui doit exister entre l'État et la société civile, ou bien de manière fermée ou capable d'organisation de loisirs, mais entre l'État et l'organisation de loisirs, c'est justement pour dire, si vous faites un rapport là, ma bon exemple, nous faisons un rapport qui parle sous question et la justice, d'abord sous gouvernance judiciaire. Mais qu'est-ce que nous fait en termes de travail? Nous connaissons qu'il y a un ministre en justice qui l'a, et recommandation nous fait, yo, ministre en justice là, lui concerne lui, eh bien, ou mentez ministre dans un rapport. C'est-à-dire, ou pas seulement font rapport, et puis après ça, ou montez dans la radio, ou parlez dirigeant. Non, lui pas comme ça. Comme défense des droits humains, c'est pas dénoncer seulement qui travaille là, ou capable toujours dénoncer, mais couloir de communication entre l'État et l'organisation doit exister. Maintenant, on va aller au niveau de gouvernance. Moi, toujours dit, c'est pas nécessaire pour qu'il y ait une grosse différence entre une organisation droits humains et un parti politique. Yon parti politique, bon, li genyen yon idéologie qui propre à li, li genyen yon objectif qui parle de la prise du pouvoir et la consolidation du pouvoir, li genyen préférence dans la question qui est moun qui a dans le pouvoir, est-ce que moun sa ses amis, est-ce que le ses proches moins,
li gagnent yon quand c'est temps li t'avle rester sur pouvoir nan tête pas li pas besoin li pas besoin étranger pour gérer avec lui c'est moun qui dans même parti politique avec lui c'est moun qui a fait confiance et li vle c'est lui même qui pourra diriger tout temps et pouvoir autant de fois capable prendre plus pouvoir ça qui intéresse lui vocation oui faut qu'il y ait un changement mais c'est lui pour faire changement c'est l'objectif premier d'un parti politique. Oui, la parler pour changement, mais changement doit passer par lui. Qui est différent de yon organisation de droits humains, et puis en plus, yon organisation de droits humains, et lui-même, quand il arrive, il dit, faut qu'on aller pour aller. Et aller pour aller, à son mouvement, retirer pied ou, comme mettre pied, ça veut dire, on moun qui n'a un parti politique, li monte nan radio, li parle, li dit tout ça le besoin dit pour mettre moun ki nan pouvoir là en situation difficile et puis demain si vrai, y aurait l'île, y ont dit mais pour ça, la prendre parce que objectif li a, c'était affaiblir moun nan et li même pour gagner pouvoir. C'est l'objectif d'un parti politique. Oui, livre changement, mais faut que changement passe par lui. Tandis que yon organisation droits humains changement intéressé, mais changement, c'est pas une obligation pour changement passer par lui. Ça veut dire, une organisation de droits humains, pas capable de monter pour la critiquer, ministre éducation nationale là, qui, dans le moment, n'a parlé à l'école pour l'ouvrir, et puis, nous dit, oui, conseil de l'école qui habite, faut que l'État récupère, oui, conseil de l'école qui abandonné, faut que l'État récupère, mais, les droits humains, organisation de droits humains, dans le plaidoyer qu'il a fait pour droit à l'éducation, il est capable de faire des exigences à ministre de l'Éducation nationale là pour lui prendre responsabilité. Alors, si bien comprendre, une organisation qui défend le droit à monde, c'est un groupe de pression. Tout à fait. Et c'est pour ça que un groupe de pression qui là, qui dit, mais non, écoutez, là, le droit à monde, ça n'est pas respecté. Oui, c'est ça que je dis. Ça fait que je dis, doit gagner. Contrairement à l'enquête qui a pensé, donc pour défense des droits humains, il faut en tirer le roche de l'État de Tounet. Non, il y a un couloir de communication entre l'organisation et l'État. Et lorsque l'organisation fait un rapport là, il faut demander aux autorités à créer un compte d'information, un compte d'échange, un compte de plaidoyer. Maintenant, Vous n'avez pas trop parlé de la radio, ou pas défendre le droit à l'homme. Non, Israël Bamjo. Et moi-même, qui m'a dit mon petit tête, parole, yo, tant de paroles, tant d'actions. Et si vous parlez, souhaitez n'en parler tout le temps. Mais vous n'avez qu'à poser comme action. Pendant la dernière année, ça, qui ça nous fait, nous porter action, ce n'est pas seulement parole. Parce que là, on en parle tout le temps, il y a des moments, il y a des réponses ou pas des moments. Ouais, moment ça ou là qui ça nous fait, nous aller dans camp yo, nous aller regarder qui voulait moun yo gagner et nous même avec les moyens du bord, nous porter réponse. Dans moment ça, nous gagne enquête nous a fait pour nous dire bon, dans zone métropolitaine là, OK, nous garder, nous dit mais qui l'école qui abandonnée, mais qui l'école qui habitée, mais qui faculté qui abandonnée, mais qui faculté qui habitée, mais qui lycée qui yo abandonné mais qui est lycée yo habité là-dedans qu'on y a là ou capable demander ministre éducation nationale là yo un contrat d'échange et vous dit comme organisation dans travail de monitoring que vous fait maintenant lycée civil armé occupé maintenant lycée et le fait que zone n'est pas bon yo obligé mettre l'école là on l'autre côté et mais parce que zone n'est pas bon, maintenant l'école nationale qui occupait, maintenant ministre, que faire? On pas besoin de parler dans la radio pour ça. Meilleure façon pour résoudre le problème, non? La première démarche, c'est pas aller dans la radio. Hein? La première démarche, c'est faire monitoring hein? Et puis jouer une autorité concernée. Hein? La démarche, au ministre, capable au ministre là, mais moi-même, on pas rien pour moi dire, ministre là, allez pour l'aller. Mission organisation de droits humains, il n'est pas là pour le dire bas. Une organisation de droits humains, pas là pour le dire vivre. Il n'est pas là pour le dire bas tout.
Cependant, li là pour faire radiographie situation pour dire mais gens ça y est et li là pour faire pression donc je dis faire pression sur acteurs concernés pour dire mais ça yo doit faire dans souci pour protéger tel droit. Et c'est différent ça pour nous faire la mission d'un parti politique et la mission d'une organisation de défense et de promotion des droits humains. Est-ce que si dans la société, il y a des organisations qui défendent droits humains qui transforment tête en parti politique au lieu de écarter et travailler les droits humains? Moi, je parle de Valise. Moi-même. C'est-à-dire, moi, je suis capable de dire qui travaille au CNH après et en fonction de qui ça nous travaille. Chaque moun yo, yo gen formation pa yo recevoir, yo gen façon yo wèlé. Moi-même, comme juriste, défenseur des droits humains, qui gagne yon diplôme pour master 2 en France, que moi pas capable de dévaloriser le diplôme moi dans comportement moi. Ça veut dire, faut me prouver vraiment me respecter les règles. Faut me prouver vraiment qu'il y a une éthique pour question défenseur des droits humains. Est-ce que je peux prendre la rue et me dire, blé, faut aller? Non, je ne suis pas capable. Je ne peux pas rentrer dans la pratique, on va dire, mais. Je ne peux pas prendre la radio. Mais ou même, au plus ça défendre, ça gagne droit pour libre circulation, droit pour les gens de logement, droit pour les gens de santé, droit pour les gens d'éducation, droit pour les gens manger, droit pour les gens capables de voter dans l'échéance qui est normale, droit pour les gens qui ont loisir, droit pour les gens qui ont égalité femme et garçon, droit pour les gens qui ont de l'eau, ou plus dans le droit ça. Nous ne savons pas, le combat que nous menons pendant 8 derniers mois. Même j'ai dit, éducation, nous avons un système éducatif qui a fonctionné à 3 vitesses. Est-ce qu'on connaît question état civil dans le pays d'Haïti ou bon système état civil qui a fonctionné à 3 vitesses? Et où jouen, par exemple, gagne un petit monde qui perdu pour ce détail. Gagne un petit monde qui perdu formation. Dans quel sens il perdu? Si monde qui fait Port-au-Prince, Port-de-Paix, Waname, Jérémy, Folliberté, Inche, Konaïve, si moun sa yo, il y a un pourcentage de chance les parents font un acte de naissance pour jouer un extrait. Si les gens qui font dans la zone métropolitaine, Port-au-Prince, il y a un pourcentage de chance pour jouer un extrait. Si les gens qui font Grande-Rivière du Nord, Plaine du Nord, Saint-Michel de la Talaye, Ranquit, La Victoire, Pillon, Tondon, Saint-Raphaël, Lester, Marmelade, ouais, mon salut, il y a un pourcentage de chance pour venir extrait. Et bien, qu'est-ce que ça nous fait? En lieu de place pour nous retenir dans Folali, Mbavé et tel, eh bien, on a là pour nous regarder qui ça, mon salut, gagne comme problème et nous parler avec officiers, nous parler avec le ministère de la Justice. On nous regarde dans le pays de ça là. Pendant qu'il dit gagne, mon bagasse qui l'est. Alors, pas une organisation qui me font travail pour garder l'impact de la sécurité à gagner sur le fonctionnement du bureau état civil. Pas de monde qui allait pour dire, bon, il y a un peu de monde qui est dans le camp là, on a regardé pour nous ça, question état civil, on a regardé. Pendant 2 derniers mois, ça, au CNH, en partenariat avec les officiers état civil, tout le monde qui n'est pas capable de constituer acte de naissance, eh bien, nous avons ça gratuit. C'est-à-dire, c'est pas aller pour nous dire faut un tel aller, mais c'est garder qui se capote comme coup de main. Parce que tu exerces droits humains par action. Par action, il y a une différence entre un défenseur de droits humains et un politicien. Alors, je voulais dire, moi-même, dans l'approche nous, nous sommes défenseurs de droits humains. Nous sommes à la barre, nous sommes défenseurs des humains qui plaît et qui travaillent pour nous respecter l'éthique. On va dire. Qui est-ce qui n'est pas défenseur des humains dans la société? Dans toute la structure qui existe. Moi, je suis dit tout à l'heure. Nous n'avons pas besoin d'organisation des humains. Non, moi d'accord. Il y a des gens qui baillent tête. Ils disent bon, ok, moi, c'est défenseur des droits de l'homme.
Bon, ça va dépendre de ça, mon affaire comme ça. Est-ce que vous défendez les droits humains comme si une organisation qui défend les droits humains qui dit qu'il est enregistré dans le ministère des Affaires sociales, qui doit dire la police doit tout les bandits? Bon. Et va, hein? Attendez. Chaque monde, on est capable de salir le livre. Mais si nous voyons dans les règles, dans l'éthique, aux façons pour articuler le discours là. Yeah. Parce que le droit à la vie est un bien sacré. Et qui ont bien compris, vous dit, même ça nourrit les criminels notoires, ils ont gagné le droit à protéger. Yeah. Ça veut dire, c'est ça, si vous dites comme ça, ouais, même si vous êtes qu'un peu dans le tiré au monde tiré, et puis le monde s'est arrêté, il y a des droits fondamentaux à respecter. Par exemple, malgré l'arrêté nègre qui finit le monde, mais il faut balancer côté pour le dormir. Ouais. Bon, oui. Le droit au logement. Malgré l'arrêté qui tire le monde, vraiment, mais où qu'on est fort pour être l'eau. Malgré l'arrêté qui tire le monde, où qu'on est fort manger. Bon, voilà. Ça veut dire, gain de parole, message aux défenseurs de droits humains, pas t'adouer même message avec un politicien. Merci en pile Camioxis. Finalement c'est Gédéon Jean qui a gagné pour représenter les droits humains dans le conseil électoral provisoire là pour monter. Oui, suite à l'élection nous t'ai organisé dans le secteur et monde qui t'ai participé dans l'élection c'est Gédéon Jean qui doit à le représenter et c'est lui-même qui vote. Merci en pile Camioxis. Merci en pile. Merci Balestre. Voilà, on a parlé avec Camioxis dans l'émission Boukanti la parole à Soya. Là c'est fait exercice ça qui est important. Moi nous mettre suivre moi. D'après c'est garder là. Et oui, c'est la nuit, OK. Et mon cher gon moun qui écrit mon message là. Ça mon andi me garder message là très bien, peut-être son moun li partager là avec. Faut me dire grand-pile réaction, OK. Gan pile réaction dans l'émission pour quand il la parole. Puisque pas gen ni méo 1. OK. Pas de problème. Ça son monde qui partage et ben tout bay numéro à prochain, OK. Une autre fois il met écrit directement pour échanger avec elle. Et pas gen et c'est poser la question ça. Haïti gagne 18 juridictions, ça veut dire automatiquement gagne 18 commissaires. Pour qui ça, c'est dans Dengouen, Muscadet, Lilagé et puis ignorer l'existence de leurs 17 commissaires. Est-ce que réellement travail Muscadet a fait à empêcher joindre dossier pour dresser rapport by Bossly? Pour qui ça, li pas joindre, pour qui ça li pas jamais estomaqué les malheureux et malheureuses violés, massacrés en bas malfroid? Qui mal citoyen qui vle vivio fel qui fait li kontio et puis la pié karibare vanipié ni sa ki ak sapat ni sa ak soulier yo vin krasé communauté yo. Si ou vle ou ka ajoute yon question, bon son moun ki écrit mwen patati patata, et c'est des questions qu'il y a envie de poser Pierre Espérance, mais l'île boule. Donc ça veut dire pour qu'ils aillent dans Dengouen, citoyens, ça seulement le collé. Dengouen, ça aille dans le col. Un petit mot en dehors de la caille, au cap, il dit dans Dengouen. Ok? Je pense que Dave le fait tirer ça avec nous. Mais il. Bon, me dit des mots avec quand même. Bon, me dit des mots avec quand même. Parce que moi, je dois regarder. Si je connais l'école là, je vais l'ouvrir là. L'école là lui-même li pral l'ouvri et Faez dit l'a fait j'effort avec Mounio. Faez dit l'a fait j'effort avec Mounio. On l'a regardé ça. On regardé avec messieurs dames et Faez yo, OK? On nous font ti joindre et non, il va maîtriser, il va maîtriser. Bon ben joindre Maître Francisco René. Et oui, nous écrit et puis nous comprenons la réalité, malgré de dire, bon, parce
livler et bay on prend vraiment n'a fait 2 minutes avec Maître Francisco René. Maître Francisco René, bonsoir, merci parce qu'avec nous. Et bonsoir Valestin. Et nous pas en direct non? Ou en direct et ou en direct ou mettant dans téléphone là, ou en direct, OK? Ah ben OK. Et bon, Valestin, profitez me saluer vous, profitez me saluer tout auditeur auditrice et radio Mega yo. Et approche que me devrais faire sincèrement Valestin, on était très solide à soir. Très 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 solide. Donc anti-Jean étonné façon solide là, mais c'est pas mauvais parce que ça gagne la dalle, c'est les aléas de la profession, c'est les aléas du métier. Mais précision que me devrais porter vraiment et Valestin, c'est par rapport avec question et défenseur des droits humains. L'étape montrait que il y a une grande différence entre les partis politiques et les défenseurs des droits humains. Moi, m'a dit il n'y a pas de différence et avec nouvelle loi et la loi du 14 janvier 2014 qui fait des leaders politiques yo viennent également défenseurs des droits humains. Et ça, c'est le premier élément, soit appelé l'article 6 de la loi et du 14 janvier 2014, il fait des dirigeants politiques, des défenseurs des droits humains. Donc, c'est pour me dire que moi, pas fin d'accord avec l'approche ça. Deuxième côté, je ne suis pas d'accord avec notre camarade, et c'est que il n'a pas fait différence pour vous. D'une manière pédagogique, les différentes générations des droits humains. Par exemple, lui-même, lui, non génération, Pierre Espérance, non génération. Où elle a parlé, lui prend un médecin, par exemple, lui dit, on prend un médecin qui a fait une opération, eh bien, lui, c'est un défenseur des droits humains. Oui, d'accord avec elle, parce que médecin, lui, en tant et une génération des droits humains, yo, que nous élèves la génération, la troisième génération, que nous élèves génération droit collectif en matière de solidarité. Et ou capable, pas même ça, même nous, mettez la deuxième génération, qui c'est génération droit économique, sociaux et culturel. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs générations. L'on prend par exemple Pierre Espérance, qui est spécialisé peut-être, qui est spécificité, l'égo spécificité dans le droit, dans la première génération, ou pas jouer le même comportement avec un monde qui est dans la deuxième génération. Qui sont les défenses première génération? Ok, la défense de la première génération, c'est ça nous relève droit civil et politique. Donc, le droit civil et politique, où je l'ai dans le droit à la liberté, droit à l'égalité, les libertés de religion, d'expression, et droit à la vie, droit à un procès équitable, et l'interdiction de la torture, ça c'est pour droit civil, droit et politique là. Et nous connaissons, c'est participer aux élections, etc. Et puis, deuxième génération, c'est ça. Non, avant la deuxième génération, on dit droit à droit politique et on dit droit politique et puis. Parler de première génération, il y a droit civil et politique. Yes. Droit civil et politique. Sur les droits civils. Droit civil là, c'est lui-même où jeune qui est où jeune là dans le droit à la liberté, à l'égalité, liberté de religion. Pas de problème. Qui est la défense de la première génération? Qui l'a instauré? Qui l'a venu? Qui l'a existé? Pardon? La défense de première génération. Non, première génération en prenant naissance à partir de 1966.
Donc, ça veut dire que à partir de 1966, Negyo commençait à parler de la première génération, de la deuxième génération, de première alors, génération. Alors, première génération prend naissance en 1966. En 1966. Deuxième génération continuait toujours en 1966. Mais lui-même, où je ne salue les droits civils et droits économiques, sociaux et culturels. Non, on est dans la première génération. Vous voulez dire la première génération, hein? Nous t'essayons à parler des droits politiques, droits civils, ça veut dire droit pour aller à l'école, droit pour une santé, droit pour une scolaire. Non. Droit pour une santé pas en dans de première génération. Non, c'est ça m'a dit là. T'as dit ça yo il pas coexister en 1966. Pas non, problème existé, ça problème ça pas exister. Non, il était globalisé yo. Il était globalisé yo. Ça veut dire que avant ça, il était globalisé tout droit yo. Ça veut dire que l'on parle des droits humains. On y prend tout ou fourré ou non panier. Mais je dis à la, yo catégorisé, yo classé, yo classé par génération. Alors, si vous comprenez, j'en t'ai fait commissaire gouvernement. J'en t'ai fait commissaire gouvernement dans le temps passé, je dis à sous commissaire gouvernement, pas faire le même genre. Non, et d'accord, pas faire le même genre. Non, mais ça veut dire, faut Pierre Espérance, marche avec temps. Oui, certainement. Faut marcher avec évolution, temps. Certainement. Donc ça, mais ça me veut montrer. Me veut montrer que les camarades qui t'a parlé tout à l'heure, ils pas dans même génération avec Pierre. Sans problème. Pierre bon. Lui-même, les spécificités, expertise dans la première dans génération. Moun. Pardon? On expertise dans démobiliser pays, dans démouter moun. Non, non, bagaille pour comprendre. La première génération beaucoup plus fragile, beaucoup plus violent que la deuxième génération. Et la deuxième génération est beaucoup plus violente que la troisième génération. Parce que, bon, la deuxième génération, par exemple, l'homme de la deuxième génération, lui rentrait dans la question et les droits au travail. À un niveau de vie suffisant, au logement, à la sécurité, ça c'est pour droit économique. L'homme social, les rentrer à l'éducation, les rentrer à droit de fonder une famille, de subvenir à ses besoins, du droit au loisir et à la santé. Ça, c'est deuxième génération. Et pour un troisième élément dans deuxième génération, c'est droit culturel ou une jeune droit culturel. Tandis qu'on a notre troisième génération qui est beaucoup plus souple. Et ça, lui-même, c'est une génération qui est intéressante, puisque tout pays fonctionne, pas qu'à fonctionner sans lui. C'est ça, nous, elle est génération droit collectif en matière de solidarité. C'est là-dedans où on peut joindre une troisième génération qui reposait sous concept de solidarité, qui proclamait droit collectif des sociétés, ok, qui parlait des peuples et de regroupement. Ça nous est le droit à un développement durable, à l'autodétermination, à un environnement sain. Est-ce que là? En tout cas, n'a pas pour faire l'autre émission. Ça, mais bon, dis-vous, au-delà, lui-même, lui peut-être la première génération. Hein? Donc, ou d'accord avec toute dérive, toute salade dénoncée. Faut-il baisser volume bon là? Baisser volume bon là. Ok. Alors, faut me dire que pas d'accord avec Pierre. Faut me dire qu'on a monde très souvent qui campait en opposition à Pierre. Mais il y a un bagage pour comprendre. On paye côté que violence et on dit gens et on a dit à monter à cheval. Faut joindre un monde qui est un peu dans la question de droits humains qui a bataille dans la première génération, quand même un peu parfois vie de l'eau. Mais la vie de l'eau, très souvent, c'est avec violence et vie de l'eau. Ah, ok, mais je dis, elle dit, il faut la police touiller tout le bandit, oui. Non, ça m'a d'accord. Ouais, bon, m'a d'accord pour Muscadet touiller bandit. M'a d'accord pour la police, institution et sacralisée, institution qui doit respecter les droits humains pour m'aider le tuer bandit, mon cher. On n'aime pas rentrer là. Par exemple, Jean-Mien t'a parlé tout à l'heure, elle dit que les dirigeants politiques pas dans la question de droits humains. Là, je ne suis pas d'accord avec elle du tout. Parce que l'on a lu l'article 6
qui portait sous question et fonction parti politique, li fait des leaders. Mais article ça ne pas respecter comme dirigeant politique parce que c'est dans boule caoutchouc, dans craser route, dans venir refaire, c'est dans craser pays, c'est dans ça nous font en pile nous les dirigeants politiques. C'est ça qui fait que les dirigeants politiques haïtiens ne sont pas des militants politiques, ce sont des activistes politiques qui pas comprennent rien dans rien. Même je vais critiquer Pierre dans qui n'a droit humain avec pile dérive. C'est pour ça tout grand pile nèg dans politique ou qu'a fait dérive parce que pas maîtriser concept et sac politique. On a bon fini, bon pose trois questions ça. On est qui sanctionné par Canada, on est qui fait route coach avec 1,5 million goudes, c'est le cap critique l'autre. Il bagay droit, mais bon bon bagay. Non. Est-ce que jodi à la? Non, il bagay droit. Et c'est une raison fait que jodi à la, le parti républicain haïtien, gagné un plan, je te dis que dans la semaine prochaine, il m'a envoyé un document bas où il m'a envoyé émission avant sous lui. Nous sortis un document, quand nous venons avec un projet créé les corruption zéro. En tant que corruption zéro, nous prenons écrit département d'État, autrement dit, le département de la justice américaine, pour lui expliquer nous, ou bien pour lui continuer à mener enquête sous question moun di sanctionné yo, et nous allons écrire l'État haïtien tout et le parquet pour nous mander pour lui ouvrir une enquête approfondie sur moun sa yo, parce que c'est rôle nous en tant que les dirigeants politiques. La loi dit que les dirigeants politiques ont pour devoir pour on a 1,5 million goud la sorti dans l'argent Petro Caribe. Pardon, 1,5 million goud la c'est dans BM pas de sorti l'argent Petro Caribe. Non, mais c'est même gentil, nous avons toujours demandé pour mener une enquête sous Pierre, pour sous Pierre tout. Parce que quoi, c'est corruption. Ça, c'est corruption liée. C'est un pot de vin au Bali. Son pot de vin lié. Son façon au Bali pour ne pas parler contre BMPAD. Ni mon BMPAD qui était Bali comme là, ni BMPAD, tout, il sanctionné. Ni corrompu, ni corrupteur. Ou pensez que c'est assez quoi ça? Maître Francisco. Ou connaît M. Francisco qui a courage pour l'attaquer, quel que soit le monde, parce que nous ne pouvons pas gagner ça et relais et Sandro Carofev. Merci en pile, c'est ton plaisir. C'est un plaisir, mon frère. Voilà, nous t'avons parlé avec Francisco René dans l'émission Boukanti, la parole forme du. Et bon, Mounio. Et Mounio réagit vraiment en pile. Et avec nous dans l'émission, en pile interaction. Bon, il y a des gens qui veulent parler, mais peut-être nous allons faire ça demain soir. Nous allons faire ça demain soir dans l'émission Boukanti la parole. Nous allons parler de Hudson Saint-Flair à Souer, qui est directeur de communication du ministère de l'Éducation nationale. Nous avons regardé qui ça préparatif eux-mêmes, les dispositions qu'ils prennent et qui ça parent eux-mêmes, il y a besoin sous question rentrée. Tri des classes, puisque nous connaissons ministère de l'Éducation nationale dans tête collée avec FAES à Paris là pour bailler parents aux petits moyens, surtout parents qui sont dans l'école nationale. Vous parlez de faire des 20 000 goudes, vous parlez de plus de 200 000 parents en façon pour aider eux préparer rentrer l'école là. Moi, Camille, si ça peut serrer les mains encore, Camille. Ou t'as des maîtres Francisco René, peut-être, où est-ce là? Allô? Oui, où est-ce Camille? Allô, Camille? Allô, Camille? Bon, Camille, si ça peut être là, peut-être, est-ce que l'idée voulait recadrer maître Francisco René, puisque lui sous-estimé Camille Oxys avec Pierre Séance pas dans la même génération, pas dans la même catégorie de monde qui défend les droits de monde. Ok. Oui, nous avons dit là, FAES, moi, quoi, c'est demain vendredi. Et demain vendredi, le processus est capable de briver dans le bout de lui. Mais quand même, obligé de tirer à l'onge parce que, on est difficulté région. Demain soir, nous capable de parler avec Hudson Saint-Flair. Et comment il s'appelle? Hudson Saint-Flair, qui est directeur de communication dans le ministère de l'Éducation nationale. Nandi Deni, UCP. UCP. Et nous avons parlé avec lui. Nandi Deni, c'est directeur de la planification de la coopération externe. Nous avons parlé avec des messieurs Sao. Et demain soir, dans l'émission Boukanti et la parole.
sous question rentrée des classes, notamment pour les parents qui ont situation difficile. Le ministère de l'Éducation nationale parle plus de 200 000 parents dans toute l'école nationale dans le pays. Il parle d'un budget de 5 milliards de gourdes. Un budget de 5 milliards de gourdes. OK? Un budget de 5 milliards de gourdes. OK? Par contre, non, et Camille voit un rapport moi là. Et SCC, oui, Camille voit un rapport moi là. Et d'enregistrement. Et OK. N'a pas de faire l'autre émission sur ça. N'a pas de faire l'autre émission, Camille. Non, boucanté la parole. Bon, je pense que je suis là, je suis aidé nous. Mais après tout, je me dis encore comme si ici, faut nous très prudents avec position, nous même. Nous gagnons en pile fois. Faut que nous très très prudents avec position, nous gagnons. Oui, Camille. Oui, ok. Camille, je rejoins Camille. Et lui dit, il est obligé de rele, Bambali, puisque c'est lui qui a invité M. Francisco René. Nous avons écrit, il était en position sous Pierre Espérance, mais il est intervenu sous. Il plus intervenu sous Camille Oxys. Camille Oxys, vous voulez recadrer, ou bien vous voulez pour des précisions pour M. Francisco René? Bon, moi, je parle recadrer. Alors, moi, pas vle moun yo fè, on se y de comparaison, et nan secteur droit moun nan, entre moi-même, avec, on l'autre défenseur droit humain. Parce que chaque moun yo gen li yo. Yo gen li yo, yo gen objectif yo, yo gen organisation pa yo yap dirige, yo gen formation pa yo. Moi-même, comme juriste, moi-même, comme défenseur droit humain, pendant ma optimise défenseur droit humain, mais, il y a des notions du droit pour que je mette en application de tout et dans tout travail que je fais parce que je suis juriste. Moi-même, comme défenseur des humains, lorsque je fais travail, il faut penser à instruments internationaux, il faut penser à l'ensemble de conventions à étudier le CIEM. Donc, chaque fois que je fais travail, pas sans les bonnes salariés comme objectif. Moi-même, je pense qu'il y a des gens qui ont plus de temps à travailler dans le secteur. Donc, il y a un passif, il y a un actif. La société, là, il y a des gens qui ont fait vraiment le travail de droits humains, qui ont pris le droit humain hein, comme un outil pour venger les gens qui ont un problème ensemble avec eux. Je ne fais pas le travail, l'autre ne fait pas le travail. Mais nous, tous les travail au pays, bon, nous avons dit, mais quand est-ce que donc, il y a des bagages qui ont dit, lui-même, lui connaît ce qui est basique en péridio. Mais moi-même, chaque jour qui passe, dans le niveau CNH, je regarde qui est capable de faire pour nous écouter, mais pas nous. Et c'est sous le bar que je suis capable de dire. Donc, c'est même ça. Comme organisation qui travaille sur la question du droit de l'homme, le droit à l'éducation, c'est un droit qui est important pour nous. Mais vous connaissez qui travaille dans cette semaine, Valessin? C'est pendant deux semaines-là, nous avons essayé deux enquêteurs pour aller visiter l'usine à Port-au-Prince, pour aller visiter l'école nationale, pour aller visiter la faculté. Et bientôt, on va partager des données avec vous. Nous dit comment l'école fait pour ouvrir. On quitte ça pour l'autre émission parce que le ministère de l'Éducation nationale, là, ou bien le ministère de l'Éducation nationale, il a annoncé l'école a ouvert la porte au lieu de septembre. La ouvert la porte, je crois, c'est au lieu de 9 septembre. L'école de doit ouvrir à Nessa, c'est ça, mais la ouvert le 1er octobre. On a pris pour le fond l'autre émission sur ça, sous rapport ensemble de l'école, l'établissement scolaire, qui est occupé par des déplacés internes, des déplacés forcés comme Yoxis. Merci en pile. Voilà, merci. Merci, voilà. Alors, moi-même, je comprends la réalité, et ça fait, on va aller trop fort. Mais il n'est pas passé. Même si c'est à va pour consommation, l'opinion, il n'y a pas de passer. Ou pas de demander la police, ça. Et on disait ça là, comme si, son mauvais canal. Alors, son canal
canal li choisi a. Vous avez compris ça non? Canal li choisi a. Hein? Canal li choisi a. C'est peut-être c'est pas meilleur comme de capable dire façon de capable aborder li. Même vle rete sous li. Moi fait c'est pour me rappeler le. Nèg la gouma là, c'est dit, il dit pas fait ça. Alors c'est des forces, yon travail pour l'autre. OK? Yon travail pour l'autre. Si yon travail pour l'autre, ça veut dire nous pas ca dans démagogie. Et à force ou parler trop, nous parler parfois et moi rivé de côté moi m'couler. Pas parler. Parce que dans la vie pas tout le parler. Et pas toutes les fois parole ou aide ou. OK? Pas toutes fois parole ou aide ou. OK? D'aller me dribicher sous lui. Mon canal c'est masculin hein. Va déranger nous. Hein? OK? Et pas toutes les ou comme si ou était là. Mais tout le monde a relé des monde son bon monde jusqu'à présent dans travail li. Mais ben ti pousse là, regardez ça moun, on a dit parce que on travaille pour moun zayo, pour moun zayo, pour moun zayo travaille. Son mauvais canal lui. Sou décide faire ça. Mettez le dans contexte là. Son mauvais canal. OK? Nous même nous là pour nous aider. Demain soir n'a gagne moun bala valené. Nèg c'est Michel de la Talaye. Journaliste qui remet Saint-Michel de la Talaye en pile parce que je dis à situation tronçon Saint-Michel de la Talaye Gonaïve marchand de Saline une état critique. Mais tout ça qui fait ça c'est parce que nous gagnons des zones occupées, nous gagnons des zones anciennes ministres justice et les prophètes déclaré territoire perdu. Mais je dis André Michel voulait venir avec dans CPT, ça fait au bon, il voulait retirer Gilles pour mettre les prophètes au bon. Et c'est André Michel qui a porté ça. Et lui qui a porté lui. Mais c'est malheureux qui peut esprit nous avec bataille politique, mais c'est normal en temps normal. Je dis à les républicains et démocrates yo qui peut esprit américain. Yo. Mais républicains ou connaît, on dit les Américains plutôt. Américains ou connaît, n'importe quand des mouns passé. Déjà, ils ont couronné carrière politique. Yo, et Kamala, que Donald Trump, ils ont couronné carrière politique. Yo, mais pays, ils ont vécu là-dedans, pas besoin de tomber dans l'insécurité. Mais c'est ça ne va faire à même. C'est pas grave, nous faisons bataille politique. Fait bataille politique parce que nous, républicains, quoi, c'est capable de mettre les États-Unis au top. Démocrates, là, quoi, ils ont moyen pour mettre les États-Unis au top. Nous, chaque abgoumé. Parce que c'est ça, bataille politique, là. Petit de Saline, quoi, c'est l'Ikavin sauver Haïti. Lavalas, quoi, c'est l'Ikavin sauver Haïti. PHTK, quoi, c'est l'Ikavin sauver Haïti. C'est normal. Mais, en pile fois ou pas fait débat ou sous besoin yo den bagain nous pas connait besoin population den bam konn konn moun k'ap vive nous pas konn konn moun k'ap vive dans pays ya c'est ça qui fait débat aujourd'hui c'est na attaquer moun nous plus faire zin sur réseaux sociaux li nous régler bagay sérieux. OK, moi c'est là on aller fon faire bataille politique là. Bataille politique pour l'autre bagaille, il faut qu'il n'y ait pas 5 tombe dans la route depuis 3 ans. Il faut ne pas mettre les gens dans une situation pour dégager, débrouiller de coups de Jean-Jacques. Chaque monde est anti-génératrice. Chaque monde est anti-batterie, anti-panneau la caille. Si zone qui est courant dans le port de Prince, chaque jour, les gens sont contents. Ils sont contents. Mais. N'affection ça coûte 24 sur 24 ou bien nombre d'heures capable